Lassonne, un mot après ta victoire au meeting d'Angoulême, une nouvelle victoire toi aussi d'ailleurs, après celle de 2019 et de 2018 aussi. 60-98, est-ce que c'est un jeu qui te satisfait On va dire que dans ma saison, si je peux m'en satisfaire, mais c'est vrai que je mets un point d'honneur à ce qu'Angoulême ça soit une partie phare de ma saison, parce que c'est vraiment un plateau que j'affectionne, l'ambiance elle est top pour les lancer, et surtout voilà, la cage elle est super bien placée, les conditions sont top. Après 60-98, pour moi c'est un peu en deçà de ce que j'espérais faire, mais il y a beaucoup de fatigue, des enchaînements, de compétition avant, donc je vais pas me plaindre, je vais juste bosser pour que ça remonte vite. Avec dans le viseur forcément les championnats du monde cet été à Eugene, les championnats d'Europe à Munich aussi. Refaire un jeu à 66 mètres, t'avais fait une très grande saison l'année dernière, mine de rien. Après j'ai été blessé cet hiver, j'ai eu double hernie discale. Ouais. Donc je reviens un peu de loin, mais j'ai bossé pas mal pour vraiment y arriver. Donc j'espère que d'ici demain, après-demain, la semaine prochaine, ça sorte. Parce que voilà, le palier entre 60 et 66, on a l'impression que c'est loin, mais pour un disco ball, c'est une demi-seconde de patience. C'est le pied gauche qui est posé au bon moment, le bras qui est juste derrière au bon moment. Et tout à fait, ouais. Donc c'est juste des réglages pour que ça puisse passer réellement. Est-ce que par exemple, le record de France, c'est dans un coin de ta tête, on sait qu'il est à plus de 68 mètres, mais est-ce que tu y penses? Honnêtement, oui. Ok. Honnêtement, est-ce qu'il est à 3 mètres de ton record, finalement? Il est à 3 mètres de mon record, c'est 68, c'est loin. Après, dans mon objectif de carrière, voilà, ça serait de débattre le record de France et de le faire en plus à Paris en 2024, parce que c'est dans ces perfs-là qu'il va falloir aller chercher une médaille. Donc, c'est ça. C'est mentalement, j'essaie de me préparer, de me focus là-dessus en me disant, bon voilà, j'ai les étapes et je bosse petit à petit pour arriver au meilleur de ma forme en 2024, parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura les jeux chez nous, et c'est une chance de les avoir. Je te remercie. Merci.